get. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you. Hit you up, I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. And you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you. Come on over, let's pick up where we left off. You and I had lots of love just to top it off. We can wind and down for days, never let it stop. I just want your everything, baby. Maybe later we can dance, never let go. Listen to our favorite songs on the radio. Losing up and lose ourselves to this feeling. Oh, I just want your everything. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui commence ma nouvelle Pick Week pour mon prochain concours. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, hier j'avais un concours, j'ai fait la Ben Vider à Londres. J'ai terminé deuxième dans ma catégorie, donc en bikini classe D. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente si vous voulez voir comment se passe un concours, comment s'est passée ma journée, etc. Je vous mets la vidéo ici en haut. Et puis là commence ma nouvelle Pick Week puisque vendredi j'ai un autre concours à Alicante en Espagne. Donc ce soir on rentre de Londres et on repart mercredi pour Alicante. Donc voilà, ça fait beaucoup de voyages, mais du coup ma nouvelle Pick Week commence aujourd'hui. Donc là il est 10h30, aujourd'hui je ne dois pas m'entraîner, mais par contre j'ai 40 minutes de cardio. Donc on va aller boire un café avec Luca dans la ville où on a notre Airbnb. On est au nord de Londres à Enfield et on va donc aller boire un café. Et puis moi je vais vite aller faire 40 minutes de cardio parce qu'il y a un fitness aussi là-bas. Donc comme ça ce sera fait. Ensuite on va revenir ici, préparer nos affaires et puis aller à l'aéroport. On sera en Suisse ce soir vers 22h je crois. Mais du coup le plan pour cette semaine, donc je retourne directement sur un protocole de Pick Week. Je vais pas tout réexpliquer le protocole de Pick Week puisque je l'ai déjà fait dans la vidéo de la Pick Week pour la Ben Vider. Donc je vous mets la vidéo ici en haut. Il y a deux parties, donc je vous invite aussi à aller voir les deux parties, comme ça vous avez le tout. Mais aujourd'hui je retourne directement sur un protocole de Pick Week et aujourd'hui je dois atteindre 160 g de glucides, 150 g de protéines et 60 g de lipides. Et comme toujours je fais le check-in avec Stephen tous les matins de cette semaine jusqu'au concours. Donc voilà, je me réjouis de voir ce que ça donnera à Alicante. Honnêtement le niveau sera franchement assez élevé, donc je m'attends, enfin j'ai pas trop d'attentes, on verra, franchement je vais y aller et puis profiter et puis voilà.
Alors aujourd'hui on est lundi, on est de retour en Suisse, donc on est rentré hier soir assez tard. Aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à faire, d'ailleurs demain aussi honnêtement c'est un peu le stress parce qu'on repart dans la nuit de mardi à mercredi. Il faut qu'on parte de la maison je crois vers 3h du matin. Mais du coup durant ces deux jours j'ai beaucoup de choses à faire vraiment. Ce matin j'ai notamment rempli tous les questionnaires pour partir. J'ai rebooké pour des valises parce qu'en fait comme on reste plus longtemps finalement vu que mes vols avaient été annulés, j'ai dû pousser jusqu'au lundi, on reste plus longtemps donc je vais prendre plus d'affaires avec moi. Et puis on a remarqué que pour Londres c'était déjà limite une valise de 20 kilos, donc j'ai dû en réserver une autre, sauf qu'à l'aller on a deux vols avec EasyJet et avec Ryanair parce qu'on fait une escale à Porto, donc j'ai dû booker des valises pour les deux vols, je dois aussi booker les valises pour le retour, enfin bref c'est un peu un bordel. Et puis surtout ça coûte cher, je crois que les vols pour Alicante le total ça me fait presque 1000 balles parce que les vols retour ça m'a fait 500 francs. Je dois rajouter des valises. Les valises que j'ai ajoutées aujourd'hui pour les deux vols EasyJet et Ryanair, ça me fait 100 balles. Ça me fait 200 balles, pardon. Je l'ai honnêtement un petit peu ici, mais enfin bref. Sinon, aujourd'hui, on doit aussi faire des lessives. Là, je vais aller m'entraîner. On va aller s'entraîner avec Luca. Aujourd'hui, je fais le bas du corps. J'ai 35 minutes de cardio. Je veux faire du posing parce que j'ai une pause. Je veux vraiment travailler cette pause à fond. C'est la pause que j'ai changée au dernier moment, genre le jour avant le concours. Donc, je dois vraiment travailler cette pause. Je veux aussi travailler ma marche. Je suis toujours pas à l'aise sur ma marche et ça va pas du tout. Donc, je dois vraiment travailler là-dessus. Je dois aussi changer quelque chose par rapport à ma main où je la pose. Donc, je veux travailler là-dessus. Donc, je vais faire du posing aujourd'hui. Faut aussi qu'on aille en course. Je dois préparer mes repas pour demain et pour mercredi. Parce que bah, mercredi on voyage toute la journée, donc je prends mes repas avec pour la journée entière, comme ça je suis sûre d'atteindre mes macros. Et puis heureusement pour aujourd'hui j'ai des repas qui sont prêts, parce que le meal prep que j'avais fait la semaine passée, je vous l'avais montré dans ma vidéo Peak Week, je vous la mets ici en haut. Mais quand j'avais fait ce meal prep, j'avais justement préparé des repas pour aujourd'hui parce que je savais que ça allait être le stress, donc j'ai mes repas qui sont prêts pour toute la journée, donc ça c'est parfait. Enfin bref, il y a beaucoup. Et puis demain bah, pareil, je dois aussi m'entraîner, faire du cardio, faire du posing et puis préparer bah, toutes mes affaires pour repartir. Sinon je vais encore vous dire autre chose. Ce matin, j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 54,4 kg, ce qui est assez cool honnêtement, surtout avec le burger qu'on a fait il y a deux jours. Donc je vous explique dans ma vidéo du concours pourquoi on a fait un burger juste après le concours. En fait c'était bah, c'est un test et bah, voilà, Stéphane m'a dit bah, c'est probablement ce qu'on doit faire avant le concours de vendredi, se refaire un burger pour vraiment être plein parce que sinon je suis trop flat en fait. Et la seule chose qui me fait un peu peur par rapport à ça, c'est que hier ma digestion était vraiment pas top du tout, mais aujourd'hui je crois que j'ai l'air mieux aujourd'hui que hier. Donc là j'attends, en fait j'ai fait mon check-in avec Stephen ce matin, j'attends son retour, ce qu'il en pense. Après honnêtement je pense que par rapport au burger c'était le gluten qu'il y avait dans le pain. Donc si je fais un burger peut-être sans gluten ça ira peut-être mieux, enfin je sais pas, c'est vraiment là il faudra, enfin j'attends son retour en fait et voir avec lui comment on fait. Mais en tout cas là franchement je suis pleine, enfin dans le sens mes muscles ressortent vraiment, je suis vraiment tight, c'est ça, voilà tight. Et c'est ça qu'on veut le jour du concours, parce que ben, samedi j'étais peut-être un petit peu flat. D'ailleurs par rapport à ça j'attends aussi les feedbacks des juges. J'ai demandé les feedbacks, enfin je vais demander les feedbacks, il n'y a pas encore. Je pense pas que j'aurai les feedbacks avant vendredi malheureusement. Mais je verrai ce qu'ils me disent, pourquoi j'ai été deuxième et pas première en gros. Enfin plutôt qu'est-ce que je dois améliorer ou qu'est-ce qui n'allait pas à 100%. Et j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui on doit atteindre 175 grammes de glucides, 150 protéines et 60 lipides. Mais j'attends bah, le retour de Stéphane, voir si on augmente encore un petit peu ou pas. T'es en retard. Alors je viens juste d'arriver à la salle, je vais faire mon posing avant de m'entraîner. Je vais juste manger deux galettes de riz d'abord parce que j'ai pas eu le temps avant. Press on the exhaust, we be scared now.
No, we not the same, what you talking about? Got me all up in your mentions, must have heard around. How that sound, yeah, that sound good, tell them break it down. ISO Wendy's in your town, don't forget the dollar sign. How that sound, yeah, that sound good, tell them get in line. Hold it down, hold it down, came up from the underground. Hey, tried to play me back then, but you learning now. Do not play with fire, you be burning out. It's like butter, baby, butter when I churn it out. They gon' talk behind your back until you turn around. 360, I'm on preheat, I be baking all the good. Chef Curry hit my shimmy, throw it up at half court. Tryna be me, bet you can't, you would do it if you could. ISO to the indies, now you got it understood. Yeah, sitting like a boss, bring the workers out. Press on the exhaust, we be scurrying now. No, we not the same, what you talking about? Got me all up in your mentions, must have heard around. How that sound, yeah, that sound good, tell them break it down. ISO Wendy's in your town, don't forget the dollar sign. How that sound, yeah, that sound good, tell them get in line. Hold it down, hold it down, came up from the underground. How that sound, yeah, that sound good, sounds good. How that sound, yeah, that sound good, sounds good. How that sound, yeah, that sound good, sounds good. How that sound, yeah, that sound good. Bon, c'est déjà un peu mieux. Faudra encore que je travaille. Mais là, je vais aller faire les jambes. Et mon cardio. Where do we go from? Where do we go from here? No one can save us from keeping clear. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. Before you turn around and walk away. Hey, 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 I just wanna say you are my new crave. Alors je viens de rentrer de l'entraînement, je suis affamée parce que à part mon petit déjeuner ce matin, j'ai rien mangé aujourd'hui. Enfin oui, des galettes de riz avant l'entraînement et 3 galettes de riz juste maintenant. Parce que Stephen m'a dit d'augmenter les glucides aujourd'hui de 20 grammes encore, donc je viens de manger 3 galettes de riz aussi. Mais là je vais manger un repas, donc je vais manger du riz avec des haricots, des crevettes et il est 5h et il me reste encore un autre repas et puis un porridge. Donc c'est trop bien, j'ai encore plein de repas à manger aujourd'hui alors qu'il est déjà 5h. J'aime bien faire ça. Donc aujourd'hui j'atteins 195 g de glucides, 150 protéines et 60 lipides. Et il m'a dit le burger on le fera sûrement jeudi, donc le jour avant le concours. Par contre j'aimerais bien le faire assez tôt parce qu'honnêtement moi je trouve que je suis mieux aujourd'hui, donc 2 jours après. Donc je vais pas le faire trop tard le soir avant le concours.
Alors, je viens de finir de préparer mes repas. Donc ici, j'ai pour demain, donc là, j'ai un porridge avec du fiché coco de chez Nutri, des framboises, bananes, beurre de cacahuète. Ici, j'ai deux repas, donc du riz, crevettes, haricots, patates douces, poulet, courgettes. Ici, j'ai deux repas donc pour prendre avec moi quand on part mercredi. Donc la même chose. Et puis j'ai encore un repas que je vais mettre au congélateur. Comme ça j'aurai un repas qui est déjà prêt quand on rentre, si jamais. Voilà. Alors aujourd'hui on est mardi. Là je vais aller m'entraîner. Donc aujourd'hui je fais dos, biceps et 25 minutes de cardio je crois. 30 minutes, je sais plus, faudra que je regarde. Bref, on s'en fiche. Ce matin, je pesais 54,4 kg, exactement comme hier. Donc c'est vraiment le poids le plus bas que j'ai atteint de toute ma préparation. Et aujourd'hui, je dois atteindre normalement 190 de glucides, 150 protéines et 60 lipides. Mais voilà, hier, j'ai déjà atteint 195 puisque Stéphane m'avait augmenté de 20 grammes de glucides. Donc on verra ce qu'il me dit quand il répondra à mes messages, quand il se réveillera. Et sinon aujourd'hui il faut aussi que je prépare ma valise. Là je vais aussi vite aller en ville, m'acheter 2-3 trucs encore pour partir, notamment un coussin pour mettre autour de ma nuque dans l'avion, parce qu'on a pas mal d'avions et il faut vraiment 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 que je dorme, parce que honnêtement je suis super fatiguée aujourd'hui. J'ai un peu le contre-coup parce que ces derniers jours j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Le jour après le concours, donc dimanche matin, je me suis réveillée à 7h, j'arrivais plus à dormir. Ensuite on a eu le voyage, on est rentré tard dimanche soir, je me suis pas couchée avant 2 ou 3 heures, le temps de manger, de faire les valises, de faire encore 2-3 trucs, etc. Et puis hier c'était une journée très chargée, j'ai fini de préparer mes repas assez tard honnêtement. Et du coup ben voilà, ça fait beaucoup d'heures de sommeil en moins et là j'ai vraiment un peu le contre-coup. Donc demain dans l'avion il faut vraiment que je dorme, surtout qu'on a deux vols et puis une escale à Porto de 2 ou 3 heures je crois, quelque chose comme ça. Donc j'aurai l'occasion de dormir, mais du coup je mets un coussin pour dormir. Bref, par contre je vais aussi vous dire une chose, c'est que j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. Alors là je suis fatiguée parce qu'à cause du manque de sommeil, mais je revis en fait, parce que là ça fait ben, 2 semaines bientôt qu'on recharge, que je mange beaucoup. Franchement je mange presque 2000 calories depuis ces 2 dernières semaines, j'ai mangé quasiment 2000 calories par jour, plus le burger samedi soir, etc. Et du coup, franchement, je revis, je vois vraiment la différence, c'est un truc de fou, les calories, à quel point ça peut impacter l'énergie. Avant, je me réveillais le matin, je me disais, oh mon Dieu, faut que je me maquille, faut que je me prépare, faut que j'aille m'entraîner, faut que j'aille faire des courses, c'était la fin du monde. Et puis maintenant, c'est je me lève, ah ben je me prépare, on va s'entraîner, on va faire ça, nanana. Enfin, je suis de nouveau moi. Alors j'étais en ville et je suis trop contente parce que j'ai trouvé une valise à 70%. Donc j'ai payé une valise à 120 francs au lieu de 400. Elle est trop belle. On voit pas bien ici. Sinon j'ai trouvé mon coussin que je voulais pour l'avion. J'ai racheté aussi des masques pour l'aéroport parce qu'il faut des masques chirurgicaux qui sont chiants avec ça. J'ai aussi pris des lingettes parce que j'avais oublié d'en prendre à Londres en backstage. Et c'est un peu chiant quand on a les mains pleines de tan. Donc j'ai acheté un petit paquet comme ça. Et puis finalement j'ai pris aussi un élastique parce que j'ai oublié le mien en backstage à Londres pour pumper avant de monter sur scène. Donc j'en ai racheté un.
Alors, je viens de finir de préparer toutes mes affaires pour partir. Je vais tout de suite les mettre dans ma valise. Alors honnêtement, j'ai pris beaucoup d'habits parce que il va se passer quelque chose à Alicante. Je vous l'annonce pas encore maintenant, vous le verrez dans la prochaine vidéo qui sera donc la vidéo du concours. Du coup, il faut que je prenne pas mal de fringues avec. Et sinon, je vous montre pas de nouveau tout ce que je prends avec moi parce que je vous l'ai déjà filmé dans la vidéo Peak Week pour Londres. Honnêtement, à part les fringues, sinon c'est tout la même chose hein, pour le concours, etc. Les repas, j'ai préparé mes repas hier pour demain pour prendre avec, etc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo Peak Week de Londres. Mais je vous remontre pas tout ça. Et puis les fringues, ben, c'est justement pour ce qui se passera à Alicante. Et sinon, ben, plutôt des trucs d'été. Vu que là-bas, il fait super chaud, c'est encore l'été. Donc voilà, j'ai pris des bikinis, j'ai pris des shorts, des robes. Et puis pas ce que j'avais à Londres, vu qu'à Londres, c'était plutôt pull et veste et parapluie. Sinon, je vais encore manger un repas, je vais aller me doucher et puis je vais essayer d'aller me coucher tôt cette fois vraiment. Parce que il faut qu'on parte de la maison à 3h. Alors il est 9h, on est arrivé à Porto, on a une escale de 3h et puis ensuite on aura un vol direct pour Alicante. C'est un peu con, c'est que je sais pas où je suis. On s'emmerdait un peu, on a fait du shopping. Bonne nuit. T'es où? Non. Alors, on vient juste d'arriver à l'hôtel, donc je vais juste vous faire un petit tour. J'ai même pas encore vu. Donc là, quand on entre, il y a des toilettes. Ensuite, il y a salle de bain, la douche. Et puis ensuite, on a donc la chambre. Et c'est tout. Apparemment. Ah! Alors le voyage s'est super bien passé. Là je vous avoue qu'on est quand même franchement fatigué, mais on va se préparer pour aller s'entraîner. Je dois faire aujourd'hui les épaules, les triceps, un peu de cardio. Ensuite je dois rentrer, me laver les cheveux, faire un gommage, me raser. Et puis à 8h j'ai le check-in sur le lieu de la compétition. Donc voilà, il est 15h, donc il faut que je fasse tout ça avant le check-in. Alors il est 16h, on va s'entraîner, donc il y a des salles qui sont affiliées au concours en fait, enfin, c'est une chaîne qui est en partenariat avec avec le promoteur du concours. Du coup on peut aller s'entraîner gratuitement, donc là c'est à juste 10 minutes en voiture, c'est vraiment tout près. Pull up, 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 pull up
Alors on vient de revenir de l'entraînement, je suis en train de manger le reste de mon porridge. J'ai mangé la moitié avant, je mange la moitié maintenant. J'ai envoyé une photo à Stephen et il m'a dit que le burger, on verra si on le fait vraiment ou pas finalement. Donc je dois lui renvoyer des photos ce soir en fait. Et il me dira si on fait le burger ou pas demain. Là je vais manger ça et puis aller me doucher parce que ensuite on va au check-in directement. I wish I was
push above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. I'm posting pictures, trying to be someone I'm not. It feels just like I'm lying to you. I'm faking, staging. C'est un peu le stress, j'ai fait le gommage, je me suis rasée, je me suis lavé les cheveux, là je suis en train de les sécher. J'ai fait juste des photos en sortant de la douche pour Stephen, là je vais lui envoyer, on verra ce qu'il me dit pour le burger. J'ai encore un repas à manger, donc je vais encore, quand on revient du check-in, manger mon repas, refaire des photos pour Stephen, lui renvoyer. Comme ça il prend la décision, pas seulement sur un moment, mais sur deux en fait, et comme ça il est sûr de prendre la bonne décision par rapport au burger, voilà. To start a conversation with someone. Just be who I am, not care so much about first impressions. So, cause I got a feeling that it could be great. Skip all the acts, not playing games. Maybe reveal it, they ring me and tell you my name. Yeah, I got a feeling that it could be great. Bon ça. Voilà. Tu es là. Ouais. Hello, Gloria. I know you. Yes. All the time. She's saying this around New Year, New Year, New Year. Can I try again? Do you need to pass for the coach? Do you have it? Can you show me that? That one? Yeah. The only bikini, no? Ah, hola. Only bikini? You don't want to compete in bodybuilding heavyweight? Probably next year. Yeah, probably. How much life? The Panther man. Okay. You can get the part, too? Yes. Okay. Gracias. Gracias, thank you. Alors, j'ai reçu mon numéro, donc c'est le 311. Puis on a aussi les passes. Ok, elle est devenue mon coach. Coach attitré. Sorry. Can we check?
Okay, thank you. Quoi? Bikini classe D. Bikini classe D. J'ai pu choisir, je sais pas si j'ai fait le bon choix. Alors il est 23h, on est toujours au check-in, je sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Ça fait 2 heures qu'on attend pour terminer en fait l'enregistrement. L'organisation est pas top. We're soaring up high, got no clue. How do I know what I mean to you? Yeah. Alors aujourd'hui on est jeudi, je me suis réveillée il y a vraiment pas très longtemps comme vous pouvez le voir. Je viens de me peser, je fais 54 kilos, ce qui est vraiment le poids le plus bas de toute ma préparation. Et on est un jour avant le concours, donc le concours c'est demain. Je viens de faire des photos pour Stéphane mais il m'a dit qu'on faisait le burger aujourd'hui. Donc là je vais me préparer, on va aller s'entraîner. Moi je dois faire les fessiers aujourd'hui, un tout petit peu de haut du corps. Et puis on ira directement manger le burger, le restaurant est ouvert entre 1h30 et 15h30. Et puis ensuite à 19h30 j'ai la première couche de tan ce soir. Donc entre 15h30 et 19h30 j'ai un peu du temps pour me reposer. Et heureusement parce que hier on a fini par rentrer à minuit. Donc honnêtement je m'y attendais pas du tout, parce qu'en fait on devait s'enregistrer, enfin se booker le rendez-vous sur internet. Donc on avait des créneaux horaires de 30 minutes. Donc moi j'ai booké à 20h parce que ben voilà, avec les voyages on arrivait l'après-midi etc, je voulais m'entraîner avant. Donc j'ai booké à 20h et normalement à 20h30 j'aurais dû avoir fini. Donc après j'aurais eu le temps de faire plein de trucs encore, tout ce que j'avais à faire, notamment cette vidéo. Mais on est rentré à minuit. Donc quand on est rentré, ben déjà j'étais morte. Et là je suis encore franchement fatiguée parce que ben, la nuit d'avant on a dormi 1h30. J'ai un petit peu dormi dans l'avion, mais franchement voilà, dans l'avion vous savez comment on dort. Donc je pense que j'ai fait une nuit de 2 ou 3 heures maximum hier. Donc hier soir à minuit, mais j'étais crevée, je suis rentrée, j'ai mangé encore mon dernier repas, j'ai encore discuté un petit peu avec Stéphane, puis je suis allée me coucher. Là il est 9h30 je crois, quelque chose comme ça. J'ai dormi jusqu'à 9h, donc j'ai dormi 8h, du coup j'ai pas vraiment beaucoup rattrapé. Donc cet après-midi j'espère que je pourrai faire une sieste. Mais par rapport à l'enregistrement, franchement je trouve un peu, je pense que ici s'attendait pas à ça, mais en fait ça a pris autant de temps parce qu'il y a un seul gars qui faisait le check-in de tous les athlètes et je crois qu'on est genre 400, quelque chose comme ça. Donc en fait d'abord on a fait une queue pour recevoir le certificat et le numéro, ensuite il y a eu une queue pour la mesure, donc je me suis fait mesurer, et ensuite il y a eu la queue pour l'enregistrement justement, et c'est ça, on a attendu 3 heures. Enfin bref, c'est pas grave. Donc là je vais manger quelque chose. En fait j'attends une livraison de repas. J'ai commandé des repas parce que vu qu'on est à l'hôtel je peux pas cuisiner. Je vous montrerai, ça devrait arriver ce matin, je vous montrerai après. Mais je les ai pas encore reçus. Du coup je vais manger. Hier on est allé en course vite fait après l'entraînement. J'ai acheté un pudding protéiné pour ce matin justement. Pudding protéiné au caramel. Je vais goûter, je vous dis ce que ça donne. Et hier, pendant qu'on attendait pour l'enregistrement, il y avait aussi des stands avec des barres protéinées, des trucs comme ça. Et j'ai vu des cookies. Cookies protéinées au chocolat. C'est genre des Oreo mais recouverts de chocolat. Et vu que j'ai pas grand chose à manger d'autre, je vais manger un ou deux cookies comme ça, je sais pas, avec... il est très bon. C'est à la marque, je pense que c'est espagnol. Ça a les mêmes macros que les puddings que je trouve en Suisse. Bon, c'est du chocolat, forcément c'est bon. Working on our body language, working on our body language. Baby, now tell me exactly how you feel. I'm just trying to keep it. Bon, finalement ce que j'ai mangé avant, ça faisait pas mal de prot et peu de glucides, donc je me suis fait encore 2 galettes de riz avec du beurre de cacahuète et de la banane. Everything
to me. Let me love you on the inside. Love you on the inside. Alors, on vient de finir de s'entraîner, donc la salle était très bien. On est de nouveau allé dans un de ces holiday gym. Et puis là, on va aller manger un burger. Stéphane m'a dit qu'on allait définitivement faire le burger ce matin, bah, vu mon poids ce matin. Et puis bah, je suis un peu vide. Allô. Fruits, bacon, oignons caramélisés, du miel. Le burger était trop bon. Là, on va rentrer. Moi, je vais faire une sieste. Je vais aller me coucher parce que je suis vraiment très fatiguée. Post-burger. En fait, je suis déjà pleine. Regarde comme ça ressort. Y'aura. Tu veux faire un concours? En fait, post-burger aussi. Tiens mon bras. Je peux poster? Attends. Ah ouais. Bon putain. Alors il est bientôt 19h, je viens de me réveiller d'une sieste et puis là je suis dans le fitness de l'hôtel. Il n'y a que des machines de cardio. Voilà, mais il y a un miroir et je vais juste faire un tout petit peu de posing. Je vais aussi montrer à Stéphane mon physique parce qu'il doit me dire encore ce que je mange pour le reste de la journée. Il va me dire, il va me donner mes macros pour aujourd'hui en fait, en fonction de quoi j'ai l'air maintenant, vu que j'ai mangé le burger avant.
Alors on boit juste un café au restaurant de l'hôtel et puis ensuite on va aller faire le tan. Il est 19h10 donc dans 20 minutes. Bon alors on allait partir pour le tan mais Stephen vient de me répondre et il m'a dit de faire un repas maintenant. Le seul souci c'est que je suis pas encore allée chercher mes repas. En fait ils ont été livrés à l'hôtel ce matin et ils l'ont mis directement dans les frigos du restaurant. Et ils m'ont dit que je pouvais aller chercher quand je voulais et j'avais prévu d'aller chercher en revenant du tan pour pouvoir préparer mes repas pour demain et puis manger ce soir. Mais Stephen m'a dit de manger un repas maintenant donc j'ai pas le temps d'aller chercher au restaurant puis de calculer tout ça maintenant. Donc je vais juste improviser en ce que je trouve. Il m'a dit de manger 25 de prot, 30 de carbs et 15 de lipides. Donc j'ai des yogourts, j'ai des galettes de riz, je sais pas, je vais regarder ce que je prends avec moi puis je vais manger bah, sur le chemin ou bien là-bas. C'est juste que j'ai peur qu'il y ait de l'attente pour le tan. Si c'est comme hier et que j'attends 4 heures, ça va être un problème donc je préfère prendre avec moi au cas où. Par contre il est hyper content de mes vidéos donc ça c'est cool, il m'a dit franchement de devant t'es... Donc trop bien, le burger fonctionne. Alors j'ai mangé 2 carottes, là je suis en train de manger un pudding comme ce matin. Et puis j'ai pris avec moi du beurre de cacahuète pour les lipides parce que je dois atteindre 15 de lipides et que je vais manger avec des galettes de riz. Allez, c'est retardé. Avec 1h30 de retard. Je suis bien foncée. Ok. Alors il est 22h, je viens juste de revenir du tan et je suis allée chercher mes repas. Donc là j'ai tous des repas que j'avais commandés. Donc ça s'appelle My Totem, j'ai pu choisir tout ce que je voulais dedans. Donc là par exemple j'ai des pommes de terre, du steak je crois et puis des brocolis et en fait on peut vraiment choisir la quantité de chaque aliment. Donc d'abord on choisit les protéines, donc est-ce qu'on veut du steak, du poulet, il y a du saumon, il y a du poisson, il y a plein de trucs différents. On choisit la quantité, ensuite on choisit les glucides, donc là il y a des pommes de terre mais sinon il y a des frites de patates douces, il y a du riz. Et ensuite on choisit les légumes et aussi la quantité. Et ensuite on a directement les macros indiqués dessus. Donc là pour ce top ici, ça me fait 41 g de glucides, 40 g de protéines et 9 g de lipides. Donc là j'ai celui-là, ici j'ai aussi du steak avec des légumes et des frites de patates douces. Ici j'ai donc du saumon, des courgettes, des frites de patates douces. Ici c'est quoi? C'est du riz, du poulet, des courgettes. Et puis là j'ai donc le top pour demain. Donc là j'ai directement 150 g de riz cru et 300 g de poulet. Donc ça en fait ça va faire quasiment tous mes repas pour demain. J'ai directement pris 150 g de riz dans un seul top. Parce que si je prenais 25 g par top, ça me faisait 10 € par top. Alors que là ça me fait aussi 12 €, alors qu'il y a directement tout dedans. Je sais pas si c'est logique ce que je dis. En gros ça me coûtait moins cher de tout prendre dans un seul top que de faire par portion. Donc je vais juste peser et faire des portions moi-même dans les tops pour avoir par repas 30 g de glucides, 25 g de protéines et 15 g de lipides. J'ai de l'huile d'olive aussi, je vais rajouter de l'huile d'olive dessus parce qu'il n'y a pas de gras dans ce top là je crois. Donc voilà, je vais vite préparer ça maintenant pour demain. Alors je viens de finir de préparer mes repas, donc j'ai 4 tops comme ça. Donc dans chaque top il y a 100 g de riz cuit, 60 g de poulet, 10 ml d'huile d'olive et 1,5 g de sel. Et j'avais pas assez de tops donc j'ai mis 2 repas dans des sachets. Et puis là il est bientôt minuit donc je vais juste aller me démaquiller et aller me coucher parce qu'il faut vraiment que je dorme, que j'ai une bonne nuit de sommeil pour demain. Stephen vient de me dire que demain matin je dois le réveiller parce que bah, vu qu'il est aux États-Unis il a 6 heures de moins donc en fait quand moi je lui envoie mes photos vers 9h le matin, il est 3h du matin chez lui et il m'a dit envoie-moi tes photos et appelle-moi pour me réveiller, ça va aller en gros, donc voilà je dois le réveiller au milieu de la nuit. Donc voilà pour cette vidéo, je vais la terminer ici puisque ma peak week se termine ici et demain c'est le jour du concours, donc ma nouvelle vidéo sera la vidéo du concours. Je suis au milieu du montage de cette vidéo donc j'ai aucune idée de combien elle dure mais je pense qu'elle va être très 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 longue, donc si vous êtes encore là ben, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, mais en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et on se voit dans la vidéo du concours. Mouah.